Bonsoir et bienvenue. Nous sommes ce soir avec nos deux chroniqueuses en mode danger. Hello les chères. Hello, chères toutes. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Stéphie Joyce, yes. La santé, ça va, la famille, va, très bien. Ce soir, on parlera d'une thématique. On va mettre un gros panneau rouge. On va dire attention, danger. Les dangers de l'autostop. Effectivement. Et puis, on part en mode danger 2 avec Michel Gonto-Kwame, la sage. Stéphie, c'est la spécialiste de la rubrique Cocon familial. Et Michel, voilà, notre spécialiste santé maternelle, la sage, notre sage. Si nous avions des désirs d'accouchement, on n'a pas de souci parce que justement, elle est là. Elle nous parlera des dangers des dessous friperies. Voilà, tout le monde comprend ce langage. Les dangers des dessous friperies. Et on parlera de tout ça avec une jeune dame qui est en Master 2 de lettres modernes, Stéphie Indetem. Petite sœur, elle se nomme Conan Ondry Amenant Lorraine Josiane. Pour ce que je sais, voilà où le nom s'arrête en tout cas. Venez. Comment ça va, très chère? Ça va très bien. Prenez place. Mais ce que vous ne savez pas, et que je vous dis maintenant, chers téléspectateurs, c'est que notre très chère invitée me disait en off, et je I like it, j'aime ça. Yes. Et Stéphie, tu vas comprendre. Like yeah, I like it. Dans 5 ans, 10 dans 5 ans, c'est ça? Ouais, 10 ans. 10 ans, mère de Béoumi. Wow. Ah oui, c'est l'enfant qu'on parle. L'ambition. Elle m'intéresse. C'est bon, les femmes doivent pouvoir décider. Elle m'intéresse au plus haut point. Représenter dans les sphères de décision. Ah oui. On la lâche plus, là. Voilà. On a piqué Madame Leadership. Alors, comment ça va, très chère? Ça va très bien. J'aime bien la robe, c'est très coloré. Ça, ça va un peu avec tout ce qui se passe sur le plateau. C'est oui. Très, il y a une énergie positive. Oui. Ça vibre bien et tout. Good vibes. Les good vibes, n'est-ce pas? Alors, très chère, nous avons 2 puits d'or et un puits de diamant, un puits de saphir. Vous allez prendre les 5 questions dans le puits d'or. Vous les mettez dans le puits de saphir, 5. Et vous pulvérisez juste. Voilà. Non, sur le. Voilà. Et puis, moi, je le récupère. Parce qu'on a 5 questions. Oh, sorry. Attention, je récupère. Voilà. Alors, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Il n'y a pas de joker. Hein. J'aime le rire. Première question. Qu'est-ce qui, à un moment donné de votre vie, a pu vous complexer? Quand je pense à ça, c'était un passé très lourd où j'étais en griffe, chosifiée, pétifiée. Et c'est ce qui a fait que quand je suis sortie de là, j'ai dit plus jamais, moi, plus jamais, quelqu'un ou un homme va me chosifier ou me pétifier. Et c'est ce qui m'a donné la force de dire, demain, je dois m'autonomiser en tant que femme et être devant. Parce que ça t'est passé très, très lourd. Très lourd. Très bien. On va revenir à ça. D'accord. Un peu plus loin quand on va pousser. D'accord. Allons-y à la seconde question. Si vous étiez un meuble, lequel seriez-vous et pourquoi? Un meuble, une table, une chaise, un lit, un tabouret. Lequel? Et pourquoi une chaise? Une chaise. Pas un lit. Hein? Non, pas un lit. Parce qu'au moins la chaise, il y a 4 piliers. Et ça fait de toi une personne très assise. Mais le lit aussi est positionné non, sur le oui, mais on est toujours couché. Ah, la chaise, quand on est assis, on pense à l'avenir. Exactement, on a une vision. Mais tout le monde vient s'asseoir sur la chaise aussi. Hein. En même temps, tout le monde se couche sur le lit aussi. Bon, on va parler de la philosophie. Nous avançons. Nous avançons du moins. Si vous étiez pompier, qui sauveriez-vous? 1. Le mari, 2, la belle-mère, 3, l'enfant. C'est une lourde question. Hein? Ils écoutent. Il a sauvé mon enfant. C'est tout. Point. No comment. Quatrième question. Quand elle va regarder l'émission, quelqu'un va l'appeler. Tu as vu ce que ta femme a dit. Hein? Je te disais que cette fille. Est-ce que vous vous intéressez au buzz? Si oui, qu'est-ce qui vous plaît dedans? Non, j'aime pas trop le buzz. Je n'aime pas trop le buzz parce que
ça ne tente pas à désacraliser l'image des gens. Très bien. Super. Le dicton, le proverbe ou le conseil que vous gardez toujours en tête, quel est-il? Bats-toi pour ton avenir. Mm-hmm. Super. Très bien. Est-ce qu'il y a un pays qui vous plaît, dans lequel vous aimeriez vivre, à part la Côte d'Ivoire? À part la Côte d'Ivoire, ouf. Je pourrais me retrouver dans le pays où se trouve une dame qui gère le pays, l'Allemagne. Là au moins, ça me permet de pouvoir bénéficier encore plus de potentiel. De booster encore plus mon esprit dans beaucoup de choses. Ok. Il y a d'autres pays également où il y a des femmes. Hein? Oui. Mais c'est l'Allemagne qui vous passionne. Oui. Très bien. Le plat favori? Le plat favori, couscous. Avec? Avec du poulet. Très bien. Mm-hmm. La personne que vous rêvez de rencontrer? En Côte d'Ivoire, mais partout. Partout. Oh. Michelle Obama. C'est bien. Quel est votre artiste préféré, très cher? Générique. Oui. Général, on va dire. Général. Mon artiste préféré, c'est Dena Manoa. Dena Moana. La couleur que vous aimez? Oh, j'adore le blanc. Le blanc. Mm-hmm. C'est bien. C'est une nouvelle page qu'on peut réécrire et tout est en corrélation avec vous. Hein. Oui. C'est bien, elle me plaît davantage. Combien de frères et sœurs? On va s'en sortir. Combien de frères et sœurs? J'ai 3 frères et 6 sœurs. Trois frères et 6 sœurs. Mm-hmm. Ça fait 9. Avec elle, 10. Vous êtes l'aînée, vous êtes la deuxième? Non, la troisième. Nous sommes les derniers. Nous, avec elle? Elle a conjugué. Il y a mon jumeau. Ah d'accord. Mais normalement, après les jumeaux, il y a toujours un Amani, non? C'est affaire d'Amani, les gens qui sont retrouvés. L'Amani, elle est déjà là, mais bon, ça n'a pas été. On veut qu'on devienne jumeaux. Okay. Les gens. Très bien. On a d'accord. Le jumeau, hein, Christophe. Oui. Il est... C'est lui? Oui, c'est mon jumeau. Waouh. Et comment ça se passe entre vous deux? En tout cas, racontez-nous. La parfaite complicité. Il est noir en plus. Hein? Oui, il a pris le thé de papa. Ok, d'accord. Et vous, c'est maman. Oui. Qu'est-ce que vous avez en commun? À part le fait d'être né le même jour, parlons caractère, parce que ce n'est pas évident. Parlons caractère, parlons envie. Qu'est-ce que vous avez en commun? On parle rapidement son. Ok, il a un flow rapide également. Mm-hmm. Et le point commun qu'on a plus, c'est le côté stress. Quand on nous stresse dans beaucoup de choses, là, on est pareil. On n'aime pas le stress. C'est chic. Est-ce que demain, vous allez avoir un point de vue sur le choix de son épouse? Mais ça, c'est clair. Et moi, je veille à ça. Que quoi? Ça a été chaud, là. Donc, je veux dire que ça ne vous dérangerait pas si votre homme ou votre fiancé avait une jumelle et qu'elle s'immisçait dans votre relation. Je sais que c'est ce qu'elle va faire aussi là-bas. Donc, tu pouvais faire pour toi même. Oui, il fait pour moi maintenant. Non, mais c'est que quand il rencontre une fille, il m'appelle à maintenant. Okay. Tiens, Lorraine, j'ai rencontré une fille, j'aimerais que tu vois comment elle est. Donc, comment je sais de voir la fille? Je lui dis, bref, si tu l'aimes, tu te lances, mais attention un peu. Dans tous les cas, ce que moi j'ai dit, il va tourner ça toujours, ça tout donner la raison de ça. Il va faire. C'est bien. Très bien. Alors, on a quelqu'un qui aimerait parler de vous. Mm-hmm. Elle s'appelle Rebecca Veourou. Mm-hmm. Elle a des choses à nous dire. Ah. On l'écoute. Konanda Lorraine est une fille vraiment, vraiment studieuse. Elle est une femme de principe. Et c'est une femme de vision. Elle est beaucoup courageuse. Konanda Lorraine a vraiment un grand cœur. Elle a vraiment un grand cœur. Elle est toujours prête à se sacrifier pour les autres. Et elle est vraiment sociable. Son plus grand défaut, c'est que Konanda Lorraine est très, très capricieuse. Et ce qu'on lui reproche le plus souvent, c'est qu'elle se lève très tôt. Elle est matinale. Et elle dort très tard. Capricieuse, ça ne va pas trop avec la politique. Donc c'est un caractère qu'il va falloir laisser dans le chemin. Le sommet ne va pas supporter ça. Non, le sommet ne va pas supporter ça. Mais c'est pas possible. Vous êtes matinale, c'est dû à quoi? Ça, c'est une habitude que ma mère, au passage que je la salue, m'a beaucoup formée. Ma maman est une femme battante qui, à Boaké, se levait chaque matin pour aller chez les journaux. Donc, ne vivant pas avec les autres sœurs,
À chaque instant, je me réveille très tôt. Lorraine, lève-toi, on va aller chez les genoux. Donc, c'est une habitude c'est resté en qui vous. Reste en moi. Et comment vous l'utilisez quand vous réveillez maintenant, le matin, aux aurores, avant que le soleil ne se lève? Qu'est-ce que vous faites? Quand je me lève le matin, je fais d'abord une petite prière. À quelle heure déjà? 4 heures? Je me lève à partir de 4 heures, je prie jusqu'à 6 heures. Et quand je finis de prier, je m'assois, je respire un bon coup. Et je me dis, Lorraine, le temps est arrivé de sortir parce que le bonheur se trouve dehors. C'est clair. C'est clair. Et puis le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis il y a quelque chose qu'il faut développer, qu'elle est en train de faire. Elle se parle à elle. Oui. Steffi Joyce, là, moi, vous n'allez pas vous parler à vous-même, vous allez nous parler. Mm-hmm. D'accord. Des dangers de l'autostop, mais avant jingle. Mesdemoiselles, mesdames, en général, vous pratiquez l'autostop et vous y trouvez des bienfaits. Mais non, moi, je n'y vois que d'inconvénients. Et justement, lorsque vous faites l'autostop et que vous êtes en bordure de route, vous courez le risque de vous faire renverser par une voiture. C'est très dangereux. Il faut faire attention. Alors, autant aussi vous pouvez tomber sur de bonnes personnes lorsque vous faites l'autostop, mais autant vous avez aussi des personnes malveillantes. Alors, comme dans la vie, on ne sait jamais, je ne vous préconiserai pas du tout de monter dans la voiture d'un inconnu. C'est vrai que cela vous permet très rapidement de rentrer chez vous ou de faire des économies, mais il faut peser le pour et le contre. Et puis, quand on voit qu'il y a plus de dangers que d'avantages, ben, on opte pour plus de prudence. Il y a des risques d'accident. Alors, ça, on ne le dit pas souvent, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez même pas la personne qui conduit cette voiture. Vous, la personne peut filer, vous n'aurez pas la possibilité de lui dire « Monsieur, allez doucement parce que, comme on le dit, vous êtes en train de cocor. Ce n'est pas votre voiture. » Donc, vous ne pouvez rien dire et vous vous laissez porter comme on se laisse porter par le vent. Attention, mesdemoiselles. Autre chose, quand vous êtes à bord d'une voiture, évitez de distraire le conducteur. Vous avez de multiples raisons pour lesquelles vous faites de l'autostop. Certaines se disent, par exemple, qu'elles peuvent tomber sur l'homme de leur vie. Et lorsqu'on effectue le voyage avec le conducteur, souvent, on veut faire la causette, souvent, on est même avec sa copine, on rit, on chante. Il y a des attitudes à ne pas avoir. Si quelqu'un a garé et vous a pris à l'intérieur de son véhicule, il faut savoir raison garder et adopter un comportement sain et qui vous met surtout en sécurité. Autre chose, accepter de souffrir un peu. Voilà, on a trop de facilité. Moi, ça me fatigue énormément. Nous, on a pris le bus, on a marché pour aller à l'école et nos parents m'ont fait plusieurs kilomètres. Mais ça n'a tué personne. Claire. À un moment dans la vie, il faut accepter justement de faire des sacrifices. Il faut accepter de se dire, je souffre, mais demain, je sais que je vais réussir. Parce que sans souffrance, y a pas, c'est rare d'ailleurs. La réussite, il y a un goût qui manque. Voilà, il y a un goût qui manque. Et une saveur du moins qui manque. Merci beaucoup Christelle. Alors, accepter de souffrir, accepter après les cours. C'est vrai, ce n'est pas évident, mais on a des personnes qui font des kilomètres pour aller à l'école, qui se réveillent à 3h du matin, qui rentrent à la maison à 22h, 23h. Mais ces personnes-là s'organisent pour donner le meilleur. Alors, l'autostop, mesdemoiselles, s'il vous plaît, arrêtez, parce qu'on a des dames qui ont pratiqué l'autostop et qu'on n'a jamais retrouvé. Attention. Merci beaucoup, Cécile. Elle a tout dit, je pense. C'est tellement dit et bien dit avec toute l'émotion qu'il Merci faut, qu'on ne va même pas essayer de revenir là-dessus. On va simplement retenir le mot « attention ». Alors, André, amenant Lorraine. Lorraine, c'est un nom que je n'entends pas très souvent, mais c'est très beau. C'est très beau. Parlons, vous êtes en master 2 de lettres modernes, donc bac A2. Et puis, est-ce votre choix ou pour obéir aux parents, on s'est positionné là-bas? Ou la littérature, c'est votre choix par rapport à ce grand plan que vous avez dans votre vie? En fait, c'est pas une imposition. J'aime beaucoup la littérature. Et il y a ma grande sœur qui est docteur en lettres modernes. Ok. Et quand je la vois en train de se donner, je tournais aux lettres modernes. Et elle dit, tiens, je vais me mettre dans cette cadence aussi. Et les lettres, ce n'est pas du tout facile. Surtout à l'université, il faut avoir le cran. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'imprégner de la chose. Et puis, j'ai aimé jusqu'à en soutenir en théâtre africain. Et donc, justement, avec les qualités ou les capacités que,
que vous a donné le théâtre. Mm-hmm. Normalement, il y a un problème d'expression orale est réglé, de présence scénique c'est réglé. Mm-hmm. La gestuelle, normalement, ne devrait pas avoir ce problème-là pour demain. Mm-hmm. C'est pas facile de parler sans geste. Parce que c'est vrai, en théâtre aussi, à un moment donné aussi, on est obligé d'utiliser tout ce qui est la gestuelle, mais on se contrôle. On n'est pas dans « j'arrive ». Non. Mais ce n'est pas toujours évident, hein, Christelle. Mais il faut que les gens évident. Fassent un effort. Ouais. Ça, il va, surtout pour les femmes, il va de la prestance, c'est de l'élégance de la femme. Tu es bien habillée, bien maquillée. Donc j'ai expliqué que hier, là, non, hier n'est pas là-bas. Attends. Mais c'est derrière ton blaze. C'est comme quand on est au téléphone souvent, il y a quoi? Alors donc, vous avez appris cela. Aujourd'hui, on sait que la politique, et on va en parler après, c'est dans 10 ans. Mais après le master, quels sont les plans immédiats? Après le master, j'ai décidé de me lancer un peu dans la vie professionnelle et d'avoir une expérience professionnelle pour voir. Vous allez enseigner, vous allez faire quoi? Non. Je veux travailler en banque. En banque, oui. Ok. Ce qui est bon dans notre filière, nous, les lettres, on est polyvalent. Vous êtes transversal, c'est ça. On peut travailler partout. C'est ce qui fait nos forces. Donc, quand tu arrives à l'université, dès que on te dit que tu es en lettres modernes, tu te décourages, c'est vrai. Alors que ça ouvre les portes sur pas mal de choses. Très bien. Ok, on va mettre juste un break. Regardez cette photo. En amphi, hein? Oui, c'est en amphi. Ah, l'amphi. Le coup devait être chaud. Ah, l'amphi. C'était même pas un coup. C'était quoi? C'était une compo, en pleine compo. C'était un avant-goût. Ça veut dire, les gens composent, hein, vous voyez, c'est très studieux. Elle se demande, qu'est-ce que je fais ici? On était assis, et puis on était en train de se prendre les photos, parce que à l'université, quand on a la compo, il faut t'asseoir dans un groupe. Non, donc, ça c'est clair, j'ai fait non, ça. Non, on ne comprend pas. On a fait un groupe. On ne comprend pas. Pourquoi ça soit. Bon, moi, je n'ai pas fait l'université, je n'ai pas fait le campus. Moi, j'ai fait l'université, mais je ne comprends pas. Josiane, pourquoi à l'université, il faut s'asseoir dans un groupe? Quel est l'objectif? Tu n'as pas quitté juste ça, la Christelle. Les lettres modernes, c'est particulier, je t'assure. Quel est l'objectif? Christelle, tu n'as pas quitté là. Bref, elle était donc en train de réfléchir. À la vie. Justement. On va dire ça. Alors, on va laisser ça et puis demander à cette dame de prendre le relais pour nous parler des dangers. À quelle des dames? Les dangers des dessous friperie. Oui. C'est très important, jingle. Donc, aujourd'hui, là, on parle des caleçons yougou-yougou, là. Voilà. C'est vrai que ils sont beaucoup prisés à cause du prix, peut-être. Mais attention, il y a danger. Parce qu'en général, ce sont des dessous qui ont déjà été portés, qui ont déjà servi, mesdames. Donc, c'est deuxième main de caleçon. Bon, là, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne sait pas de quelle maladie, de quelle affection, de quelle infection, celle qu'il a portée auparavant souffrait. Et il y a certains germes, certains microbes qui sont très résistants, très têtus. Ah, c'est-à-dire, malgré on les a mis dans un sac, ils sont montés dans un bateau, ils ont traversé l'eau, tout ça là. Pour venir te trouver au marché, ils sont au frais. Donc, il ne faut surtout pas, quand vous allez les utiliser, si vous êtes vraiment obligé de le faire, il y a certaines mesures à prendre. La première chose que je vous recommanderais, c'est de les laver. Il faut vraiment les laver à l'eau et au savon. Et quand vous avez fini le premier lavage, le rinçage, il faut le faire avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Donc, quand vous versez là-dessus, vous laissez refroidir même et puis vous rincez. Donc, une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser de l'eau javelisée pour désinfecter ces dessous-là. Donc, on ne va pas prendre... Il faut bien faire le mélange. Donc, il ne faut pas prendre un seau d'eau et mettre deux gouttes du produit là-dedans. Non. Donc, si vous prenez un demi-litre du produit, alors vous devez prendre 2 litres d'eau pour le mélange. Et ensuite, rincer les dessous. Ça ne sert à rien de les laisser toute la journée en se disant « Non, une fois que le mélange est bon, eh bien, vous pouvez rincer et puis sécher au soleil, pas dans la douche. » Oui, parce que dans la douche, ça ne sèche pas vraiment, ça reste humide. Voilà ce qu'il faut faire pour les utiliser. Mais sinon... il faut laisser tomber et puis utiliser. Très bien. De plus en plus, il y a des dessous qui sont à bon prix,
qui ne sont pas des friperies, mais qui sont à bon prix. Mais là encore, il faut les laver aussi avant de les utiliser parce que ça vient du marché. Merci beaucoup, très cher. Je pense que le petit tips de laver pour celles qui insisteraient. Oui, pour celles qui insisteraient. Voilà. Il faudrait de la résistance à l'information. Mais il y a aussi les fins de série. Hein. On va revenir à une autre thématique. Elle en parlera forcément, une autre thématique. On va continuer avec Josiane. Josiane, pourquoi vouloir faire la politique? Qu'est-ce qui vous a, qui vous pousse à aller dans ce domaine-là? Ah, je fais un voyage récemment dans ma ville. Et c'est à Béoumi. C'est à Béoumi, fier d'être Godet. Les Godet. Oui, Godet. On est très frères de nous. Et quand j'ai vu la vie de Béoumi, j'ai vu un peu tout ce qui se passe à Béoumi. J'ai dit, tiens, ça me donne l'envie de me lancer dans la politique. Et là, je me suis réveillée un matin. J'étais en famille, chez ma maman. Quand je me suis réveillée matin, j'ai dit, moi, je serai mairesse de Béoumi. Parce que je veux que, quand on est plus proche de la population, on voit que la population souffre. Franchement, il y a des villes qui n'ont pas toute la commodité que certaines villes ont. Et ils ont besoin souvent d'entendre des personnes les apporter plus. Et je me dis, depuis un temps que Béoumi est Béoumi, il n'y a jamais une femme qui s'est présentée comme mère. Pourquoi ne pas me lancer dans cette chose? Et moi, j'aime beaucoup affronter les choses. Je me dis que qui ne risque rien n'a rien. C'est ça. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la politique dans 10 ans. Dans 10 ans. Donc, il y a forcément un plan d'action, des stratégies qui seront positionnées. Ils sont en train de mettre tout ça dans le secret, doucement, doucement. Se préparer soi-même déjà. Par des gens. Et je suis en train de préparer ça parce que dans peu de temps, Béoumi aura un nouveau visage et c'est une femme qui va gérer ça. C'est bien ça. No comment. Si on a des photos. Qui est qui et où? Ma grande sœur, mon amie, comme elle aussi ma mère, Christelle Véorou Rebecca. Et ça, c'est moi. On était à la maison familiale. On s'apprêtait pour aller à une cérémonie de consécration. Donc, on a pris juste une photo. Très bien, très bien. Et si nous n'avons pas d'autres photos, on est pratiquement à la fin de l'émission. Ça passe vite, hein? Ça passe très vite. Ah ouais, ça trop passe vite. Très très vite. L'émission que j'ai regardé chaque soir. Je rentre à la maison, je suis toujours pressée à 20h30, je me mets devant cette émission, soit à 20h30, là, je me mets et puis je regarde à chaque instant. Ah, on est très honorés, c'est très gentil, merci aujourd'hui beaucoup. Vous êtes là. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Nous sommes arrivés donc pratiquement en fin d'émission, mais on a l'instant de l'invité, on s'est levé, et dans l'instant de notre très chère Josiane, Lorraine, Ondri, Amenan, elle lance plutôt un message aux femmes. Voilà, vous ne dansez pas, vous ne chantez pas, vous ne faites pas de danse classique ni traditionnelle. Mais un message aux femmes, let's go. Allons-y. Je voudrais dire à une femme ici, toi qui te sens battue, toi qui te sens déjà découragée, mortifiée, rien n'est tard. Ne regarde pas au réveil de la vie, mais rien n'est tard. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Lève-toi et crois en tes rêves pour toi. Nomiser sur cette terre. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Merci, on a été très heureuse de vous avoir. Merci. Très chère future mère de Béoumi. Oui. C'est pour vous. Ah, merci beaucoup. C'est comme des prémices de la victoire dans 10 ans. Oui, dans 10 ans. Dieu voulant, voilà. Donc, c'est vous dire merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci de croire en vous. Merci de vouloir aider. D'abord. Justement. Merci de vouloir aider. Et en voulant aider, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. 10 ans, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de stratégies, beaucoup de choses. En tout cas, bravo déjà. J'ai dit à quelqu'un avant-hier que regarde bien ce visage. Parce que dans 10 ans, 5 ans, tu ne verras plus ce même visage. Ah. Oui, c'est très ambitieuse. Et on aime ça. C'est pas un péché. Si vous voulez revoir l'émission de notre chère ambitieuse future mère, allez sur YouTube, Facebook. Steffi Joyce et Michel Gonto Kwame vous attendent pour voilà, des réactions ou des thématiques. Vous pouvez échanger sur tout sur la toile. Notre page Twitter et Instagram vous attendent également. Remerciements à Clopa Arts pour la décoration et à Georgina Dassé pour le maquillage et Chilo Boutique Jola Loca pour les tenues que nous portons.
On se dit au revoir et à demain pour une autre émission de 100% Femmes. Bye bye. Bye bye. Bye.